Richard Dumas suit des études scientifiques tout en jouant dans des groupes de musique avant de se choisir photographe professionnel. Depuis 20 ans, il multiplie les portraits pour la presse, Libération, Télérama, Rock'n'Folk ou Le Monde. Acteur, réalisateur, musicien, écrivain, homme politique, ses portraits donnent la dimension intérieure de ses personnalités et de ses stars surexposées. C'était plus vrai avant, sans doute, parce que maintenant, aujourd'hui, les gens tapent sur Google et trouvent des photos de moi, mais je trouvais ça bien de me présenter parce que souvent, j'allais voir les gens et je connaissais un tas de choses. Je connaissais bien leur musique, leurs bouquins, ou pas, mais en tout cas, je savais plus de choses qu'eux savaient de moi. C'était une manière de me présenter, de leur montrer ce que je faisais. Parfois, je leur disais, si ça vous plaît pas, vous pouvez me foutre à la porte. Je me laisse surtout inspirer par ce que je vais découvrir des gens. C'est ça qui m'intéresse en photographie. Génial. Pour la photo de Baishun de l'imprudence, je peux pas la décrire. Ou alors, si je pouvais la décrire, je l'aurais pas choisie et eux ne l'auraient pas choisie. Je peux pas la décrire. Je peux simplement dire que c'était l'image finale d'un long travail avec lui, qui a commencé d'ailleurs dans cette pièce-là. C'était en 2002 et Baishun n'était pas très en forme, il sortait de l'hôpital et ça a pris 2 journées entières pour qu'il se sente bien. Presque. On avait commencé à la friterie à côté, la maison de disque était un peu inquiète que je l'emmène manger des saucisses frites. Et on est revenu l'après-midi ici, on a fait des photos devant le fond rouge là. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, tiens, Alain, partant au bois de Boulogne. Et il restait presque plus de lumière et on est arrivé au bois de Boulogne. Et je lui ai dit, maintenant, tu bouges plus, tu restes là. Je sais pas pourquoi, il y avait un écrin qui le recevait, une clairière. Et je vous assure, c'est vraiment là. C'est un peu comme le film de Robert, le rayon vert qui éclaire là, la photo. Et on s'est arrêté là. Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, là, il me semble qu'à la fin de la séance, on commençait vraiment à travailler. Il faudrait qu'on reparte tout à zéro. J'étais vraiment inquiet. Et Baishun m'a dit, t'inquiète pas, ça va être bien. T'inquiète pas, on va pas en refaire. Dans un premier temps, ça m'a semblé totalement raté, ça, là. Ce qu'on avait fait à la fin. Et ce n'est que par un accident de chambre noire que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose à en faire. J'ai raté l'exposition de la photo. Au départ, quand j'ai fait mes planches contact, c'était très, très, très sombre, très, très enterré. Et ensuite, je me suis mis à tirer ça et à un moment, je me suis trompé sur l'ouverture du diaphragme de l'agrandisseur et en fait, je me suis retrouvé transporté involontairement dans autre chose. Bah, la photographie, on agite des fantômes. Hein. On prend le négatif de Chet Baker, on prend le négatif de Miles Davis hein, dans l'agrandisseur. Il y a le papier qui est blanc, on agite. Et ça nous rappelle vaguement le Saint-Suaire. C'est une
les plus belles aventures qu'on puisse avoir, c'est la chambre noire, car il y a toujours un moment, quelque chose qui vous échappe. On est, dans la chambre noire, il y a toujours un moment où c'est le noir qui vous amène à autre chose. Ça vous en transporte ailleurs. Une perte de contrôle. Pour moi, qu'un jour, une image de Bachung par Richard serait une pochette de disque. Serait peut-être plus que ça. Parce que si je regarde celle-ci en particulier, parce qu'il y en a d'autres, hein, d'autres portraits de Bachung, celle-ci est extrêmement troublante. C'est la photographie d'une statue. Il y a une relation à la statuaire dans un décor champêtre, dans un décor de bois aussi, dans ces paysages qui sont des paysages de Richard, avec ces lumières et surtout ces contrastes qui n'appartiennent qu'à lui, extrêmement raffinés. Et c'est tout le contraire d'une image publicitaire. C'est ce que j'adore dans les portraits de Richard, c'est le fait qu'ils ne sont ni des portraits symbolistes, ni psychologiques, ni des tentatives d'interprétation d'un personnage. Ils sont une façon de camper le personnage. Je n'ai pas le souvenir d'avoir une seule fois demandé à Richard Dumas de m'apporter ou de faire une autre proposition. Une des choses que j'ai toujours adoré, c'est son sens de la lumière naturelle. Il a un sens extrêmement rare de la lumière naturelle, qu'aujourd'hui il sait retravailler parfaitement. C'est un tireur extraordinaire. Il fait des petits tirages dont il garde de façon précieuse les bords irréguliers, qui sont vraiment des petits bijoux. C'est des petits bijoux photographiques. C'est quelqu'un que ça finit par l'énerver, que je traite toujours de dandy, mais je considère ça comme extrêmement positif. Du dandysme, il a l'élégance et il n'a pas du tout la superficialité. Richard a toujours recherché une forme qui soit une forme juste. Voilà, il y a une espèce d'évidence chez Richard, il y a une espèce de naturel, de respiration. Peut-être comme, je ne sais pas comment il fait, peut-être qu'il, comme les grands saxophonistes, il a une façon de retenir son souffle et de le distiller d'une façon parfaite. Mais c'est quelqu'un qui hume le vent, hein, qui hume le monde. Quand je fais un portrait, je cherche à faire une image dont je ne me lasserai pas, que je pourrais regarder sans cesse et qui ne s'épuiserait pas. Qui au contraire se régénérerait sans cesse. Pas plus proche. Je me réfère toujours à Avedon, dont la définition du portrait était: le portrait d'une personne, c'est l'image de quelqu'un qui sait qu'il est photographié. Et ce qu'il fait de cette connaissance est aussi important que ce qu'il porte comme vêtement
ou ce à quoi il ressemble. We are all performers. I like to perform. On est tous des acteurs. Et moi, j'aime bien être en scène, moi aussi. C'est l'arroseur arrosé. Voilà. C'est pas mal. Quoi. C'est l'avantage. Je sais pas si c'est bien d'en parler, mais c'est l'avantage de l'argentique sur le numérique. C'est, enfin, pour moi, c'est un avantage. C'est qu'on avance dans les ténèbres. Plus ça va, plus on accumule de l'inquiétude, plus on accumule du noir. On est inquiet pour tout. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce que on ne vérifie rien. En numérique, que j'ai pratiqué il y a une dizaine d'années, on est sans cesse des retours en arrière. On vérifie ce qui est absolument humain. Ça, on ne peut pas s'empêcher de vérifier. Donc on va en arrière. À un moment, je me suis dit, don't look back, on va en avant. On est tendu vers l'avant, on est de plus en plus inquiet. Et je pense que c'est bien pour le résultat. Ouais. Je suis jamais vraiment sûr de rien, vous savez. Mais j'aime bien ça, le jeu.